Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Kylian Mbappé au Real de Madrid. Pour moi, il va rejoindre le Real de Madrid à 90%, c'est sûr et certain. Je ne sais pas si vous avez regardé la remise des trophées UNFP, parenthèse, Mbappé a gagné le trophée de meilleur espoir de Ligue 1 pour la troisième fois consécutive et il a aussi gagné le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 qui a conclu cette soirée des remises des trophées UNFP. Mais il faut savoir que cette soirée ne s'est pas conclue de n'importe quelle des manières. Mbappé a transmis un message important au monde du football. Clairement, pourquoi je dis ça? Parce que déjà, il a retourné le PSG, la France et tout le monde du football en entier. Je vous ai dit dans des vidéos précédentes que le PSG a proposé 40 millions d'euros à Mbappé pour rester la saison prochaine. Mais je pense que la décision de Mbappé, elle est déjà prise. L'année prochaine, Mbappé rejoindra le Real avec Hazard, Pogba, Jovic. C'est sûr et certain. Si vous pensez que je suis pas d'accord, dites-moi dans les commentaires pourquoi. Mais pour moi, c'est sûr et certain. Je vais vous lire sa déclaration. Je suis à un tournant de ma carrière. Je sens qu'il est temps pour moi d'avoir plus de responsabilités. Peut-être ici à Paris, j'en suis heureux. Ou alors peut-être ailleurs. En tout cas, merci à tous. C'est clairement un message d'adieu, mais c'est un malade ce mec. En fin de remise des trophées UNFP, comme ça, gratuit à la télé, il balance une bombe. Je comprends mieux pourquoi il était concentré. Au début, je me demandais pourquoi il était aussi concentré quand je regardais, mais en fait, c'était pas les trophées. Il préparait son message. Il se préparait à dire ça. Et juste avant, il n'y a pas le message en entier. Sur Twitter, il n'y a pas. Ils ont pas tout mis. Ils ont mis que le plus important. Juste avant ça, il remerciait Nasser. Donc Nasser est passé du bonheur au malheur en même pas 0,3 secondes. À un moment, il le remercie. Dans son cœur, il devait être bien Nasser. Puis juste après, pas dans la tête. Boum. Me taille au Real de Madrid. Parce que si Mbappé était du PSG, il va au Real de Madrid, c'est sûr et certain. Il faut savoir qu'il avait fait un peu pareil à Monaco. Il avait dit qu'il restait au début. Puis après, tu commences à entendre des informations comme quoi il veut. Et il commence à vouloir voir ailleurs, aller dans un projet plus ambitieux. Personnellement, c'était sûr, je l'avais dit dans mes vidéos, c'était il allait soit au Real la saison prochaine, soit la saison juste après. Vous voulez le pari, hein? Mbappé va au Real de Madrid, c'est sûr et certain, c'est fini. C'est fini. Maintenant, il faut voir, est-ce que le PSG va réussir à retenir Mbappé? C'est la question que je me pose. Parce que déjà, j'ai dû en parler juste avant que Neymar pouvait aller aussi au Real de Madrid. Mais si on compare Mbappé à Neymar, c'est très simple. Mbappé, déjà, il a une valeur marchande largement plus importante que Neymar et son âge. L'âge fait tout. Tandis que Neymar à 27 ans maintenant. Purée, le temps est passé vite. Il aurait jamais dû quitter le Barça pour moi. Mais bon. Les commentaires, dites-moi si vous pensez que Mbappé va réussir à aller au Real de Madrid ou si le PSG va réussir à le retenir. Le retenir ou le bloquer. Mais pour moi, je pense que Mbappé ira au Real de Madrid. C'est sûr et certain. C'était Parlons Football. Laisse un like. Abonne-toi. Ciao.